지난 주간에는 우리 무화과 나무 교훈을 들었습니다. La semaine dernière, nous avons entendu la parabole du figuier. 특별한 응답 받으려고 하지 마시고 그걸 일주일 동안 여러분이 각인시키면 응답은 저절로 옵니다. Au lieu de vouloir recevoir des réponses spéciales, vous devez vraiment imprimer ce message pendant toute la semaine et les réponses vont venir naturellement par la suite. La plupart des personnes ne font pas comme ça. 그걸 하면요. 산도 옮길 것이라. Si vous mettez ça en pratique, Jésus a dit, vous pouvez ôter même la montagne. C'est ce que Jésus a dit. Aujourd'hui, toute la semaine, quelle alliance nous devons saisir? C'est quelque chose de très urgent. 옛날에 그 서울에 그 성수대교 Ah, en fait, il y avait un grand pont à Séoul dans le passé, et puis le pont. 점검하는 사람이 그 위험하다고 얘기를 몇 번 했대요. Alors le pont est s'est écroulé, et puis bon, les gens ont dit que c'était dangereux comme ça de garder comme ça. Le pont s'est effondré, alors on leur a averti à plusieurs reprises que c'était dangereux, qu'il fallait réparer, faire des réparations. Donc, toutes les voitures qui passaient sont tombées dans l'eau, dans le fleuve. Et il y a longtemps, il y avait un grand magasin qui était aussi, qui s'est effondré aussi. Alors, beaucoup de personnes sont mortes à cause de ça. Alors, personne qui était chargé de la sécurité a dit plusieurs fois que c'était dangereux et il fallait réparer l'immeuble et le bâtiment. Ils ne l'ont pas fait. Donc, ça s'est effondré complètement. Beaucoup de personnes sont mortes. Nous avons entendu beaucoup d'épisodes et témoignages par rapport à ça. Une personne qui n'a jamais été à Séoul, qui a visité Séoul pour la première fois dans sa vie, il est entré dans ce grand magasin, il est mort de l'accident. Et aussi à Gwangju, il y avait vraiment un grand bâtiment d'appartement qui s'est effondré aussi. Pourquoi ça s'est effondré encore? En fait, le pont ne s'est pas effondré tout d'un coup. Ça, le grand magasin ne s'est pas effondré à cause d'un tremblement de terre. Ça semble être soudain, mais en fait, il y avait toujours la raison cachée. Alors, ce qui s'est passé, donc, en fait, c'est le pilier qui tenait le bâtiment est troublé. Donc, c'est la même chose pour le pont. Les piliers ont tremblé. Donc, le pont s'est effondré. Les piliers sont aussi connectés avec la fondation. Si la fondation n'est pas solide, les piliers se tremble et puis après, et ça tombe. Et Jésus a parlé de ça aujourd'hui dans ce passage. Vous pouvez vraiment penser que c'est vraiment une histoire banale, mais Jésus a parlé de ça avec beaucoup d'importance. Alors, c'était la pierre qui était rejetée par ceux qui bâtissaient, mais ça peut devenir la pierre principale. Ça veut dire c'est la pierre de la fondation. C'est très important, n'est-ce pas? Il faut saisir cette alliance précisément aujourd'hui. Ce qui est important, ce n'est pas des réponses. Il faut connaître la source qui donne la réponse, en fait. Il faut connaître là ce qui est fondamental.
치유도 중요한 치유보다 더 중요한 게 여러분의 몸에 근원적인 힘이 더 중요해요. Alors la guérison est importante, mais ce qui est plus importante, ce qui est plus important que la guérison, c'est d'avoir la force, la source, la force fondamentale. Si vous avez la force fondamentale, vous continuez de recevoir des réponses. 여러분의 인생은 건축과 같으니까 어느 기초에다가 건축을 할 것이냐. Votre vie, c'est comme la construction. Donc, sur quelle fondation vous allez construire le meuble ou alors le pont? 그 건축물이 흔들리면 빨리 기초를 든든히 하는 머리띠를 바르게 해라. Alors si, en fait, le bâtiment tremble, c'est-à-dire qu'il faut vraiment remettre la pierre principale de l'angle correctement. Par exemple, si vous avez quelques symptômes, vous allez voir le médecin, vous allez prendre des médicaments et traitements, mais ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment être en bonne santé fondamentalement. Les gens qui sont vraiment en forme, même pendant la pandémie, il y a plusieurs maladies, ils peuvent surmonter tout ça. Donc, ce qui est important, c'est la fondation. 나는 오늘 그저 우리 김철은 청장님 예배 오셨는데 내가 고맙다고 인사를 했어요. Et c'est le directeur Kim Chul-eun qui est venu au culte. Je l'ai remercié. 청장님 제보 고맙다는데 아니면 내가 고맙다고 인사했어요. Et il m'a remercié. Mais moi, je l'ai remercié au retour. 왜냐면요, 우리 이 건물이 우리가 지은 거 아닙니다. 원래 있던 거 우리 사 왔어요. Ah, nous n'avons pas construit ce bâtiment. Nous avons acheté le bâtiment qui existait déjà. 이게 말이죠, 막 그동안에 길도 없어져 버리고 이 건물이 건축이 안 나는 게 이게 사고 날 지금 상황이 됐어요. Alors, ce bâtiment est tellement maintenant vieux qu'on peut avoir des accidents, incidents avec à cause de ça. On peut avoir le feu, l'incendie, ou alors ça peut s'effondrer. 무너지니까 못 서도록 지금 Alors, le bâtiment qui est en bas, l'appartement, c'est légalement interdit d'y vivre parce que c'est tellement vieux et ça va s'effondrer un jour. Donc, on n'a pas eu d'autorisation de construction pendant longtemps. Alors, donc, nous devons vraiment subir des dangers. Si ça va s'effondrer, puis il y a un incendie, ça va devenir très grave pour tout le monde. Ça fait longtemps que nous devions reconstruire l'immeuble ici. Il y avait beaucoup de représentants de parlement et de directeurs et fonctionnaires, ils n'ont pas écouté. C'est notre directeur Kim qui nous a écoutés, qui a compris la gravité des choses et puis qui nous a aidés pour que nous puissions avoir l'autorisation. Donc, je le remercie. Alors, on va avoir l'élection bientôt, mais il faut qu'ils soient réélus plusieurs fois. C'est pour le quartier, il faut qu'ils soient réélus, n'est-ce pas? C'est très important. Il faut continuer à être en fait le maire. Comme ça, le Yongdo sera aussi ravivé. La personne qui nous comprend, qui nous aide, c'est un bon fonctionnaire. Je les remercie. Alors, donc, si la fondation n'est pas solide, ça peut devenir une catastrophe. Vous devez construire, en fait, le bâtiment. Comment est-ce que nous devons faire la fondation? Alors, les non-croyants n'ont pas d'autre choix que d'aller voir des chamans et des exorcistes. Ils n'ont pas d'autre choix. Ça devient leur pierre principale de l'angle. Ça va devenir quoi à la fin? Les gens ne savent pas que c'est vraiment dangereux, mais ils vont aller faire de l'exorcisme. Alors, ce sont les gens qui sont possédés par les démons, sont en train de faire ce genre de rite démoniaque. Et ça devient leur pierre principale. C'est vraiment grave. J'étais enfant, j'allais à l'église, 많은 그
Alors, j'ai vécu 70 ans et je suis chrétien depuis 70 ans parce que j'allais à l'église depuis mon enfance. Les églises ont beaucoup de problèmes. Je n'ai pas vu beaucoup de chrétiens qui reçoivent des réponses. Alors, les non-croyants disent, pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi vous allez à l'église? Ah, c'est devenu ma frustration. Alors, donc, l'évangile est tellement merveilleux, mais les gens ne peuvent pas représenter cet évangile correctement, ce que les non-croyants n'y croient pas. Qu'est-ce que c'est? Alors, il faut vraiment construire un grand bâtiment, mais la fondation qui soutient les piliers n'est pas solide. C'est ce que Jésus est en train de dire. Alors, pour la santé aussi, c'est la même chose. Il faut avoir une fondation solide. Il faut faire la respiration, la prière, les exercices. C'est pour faire une fondation solide. Alors, les gens qui font de l'idolâtrie et qui échouent après, je comprends, mais les gens qui vont à l'église, mais qui sont en train de souffrir, pourquoi c'est comme ça? Il y en a beaucoup. Et je ne fais pas grand-chose, je ne suis pas quelqu'un de spécial, mais je comprends les choses très vite. Alors, j'ai compris, parfois quand ma mère était en difficulté, les adultes étaient en difficulté, je ne me plains pas du tout parce que je comprends la situation très vite. C'est ce que je savais faire depuis. Moi, je n'ai jamais ressenti que les adultes étaient vraiment heureux ou alors vivre une vie correcte. Je n'ai jamais ressenti ça. C'est comme ça que j'ai vécu comme ça, comme si c'était un mensonge. Et un jour, et un jour, je peux mettre la pierre principale qui était vraiment importante, qui était le Christ. J'ai mis cette pierre principale dans ma vie. Et je continue de recevoir des réponses. Beaucoup de personnes me disent qu'il faut faire ceci, cela, mais je continue de recevoir des réponses. Si vous avez un roi qui est efficace dans un roi, voilà, le pays va prospérer. Il n'y a pas de mystère. C'est évident. Ça fait 30 ans que nous sommes à Yongdo. Alors, j'ai continué de recevoir des réponses sans que je puisse regarder derrière, en arrière. Alors, dans le monde entier, pourquoi les médias sont importants? Ils sont en train d'écouter mes messages dans le monde entier. Alors, Satan qui voudrait vous détruire, qu'est-ce qu'il touche? Ce n'est pas votre compétence. Il n'a pas besoin de ça, il n'a pas peur de ça. Ce n'est pas vraiment votre argent, il n'a pas peur de votre argent. Satan a peur d'une seule chose. Qu'est-ce que c'est? C'est le Christ. Il déteste le mot Christ. Parmi les non-croyants, ils tremblent quand ils entendent le mot Christ. Qu'est-ce que Satan aime le plus? Il aime bien les chrétiens qui ne connaissent pas la valeur de l'évangile. C'est ce qu'il aime. Satan aime ça. Vous avez compris ça déjà? Vous trouvez c'est comme la construction. Il faut que vraiment le bâtiment soit bien construit, n'est-ce pas? Même en hauteur et aussi bien dans la profondeur. Il faut faire la pierre. Il faut choisir la pierre principale pour faire une correctement. La pierre principale correctement pour faire une fondation solide. Et ça peut devenir la pierre principale de l'angle, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous relate aujourd'hui. 자, 그러면
오늘 여러분이 이제 답은 얻었으니까요. Vous avez déjà la réponse, n'est-ce pas? 확인을 조금 해야 되겠어요. Il faut confirmer ça. 예수님께서 이렇게 말했잖아요. Qu'est-ce que Jésus a dit? 건축자들의 버린 돌이 머릿돌이 되었다는 소리를 들은 적 없느냐 이렇게 물잖아요. Est-ce que vous n'avez pas entendu que en fait la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale de l'angle? Quelqu'un a dit ça auparavant? 여러분이 아시다시피 Comme vous le savez, le roi des rois, c'est le roi David qui était le roi des rois qui a dit ça. Psaume 118, verset 22, il a dit quelque chose de très important, le roi David. Alors, la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient, elle est devenue la pierre principale de l'angle. Et donc, Jésus a repris la parole de David. Donc, David était au courant de ça. Alors, pourquoi David ne s'est jamais écroulé? Il avait sa fondation qui était fondée. Sa vie était fondée sur le Christ, n'est-ce pas, de façon très solide. Il ne s'est jamais écroulé. Beaucoup de personnes disent que c'était une pierre rejetée, mais c'est devenu la pierre principale de l'angle. C'est à tel point que comprendre l'Évangile est important. C'est pas évident de comprendre l'Évangile, n'est-ce pas? Seulement par la grâce de Dieu, on peut comprendre l'Évangile. Sinon, ce n'est pas possible. Même maintenant, je me souviens. Je suis allé aux États-Unis. C'était un certain pasteur Kang, il m'a dit, merci de m'aider à comprendre l'Évangile. Il m'a dit quelque chose de très amusant. Elle dit, c'est tellement difficile pour un pasteur de comprendre l'Évangile. C'est 그렇습니다. Comme si vous êtes touché par un éclair dans la rue. 그렇습니다. N'est-ce pas? Et 제가 벼락을 맞았습니다. 그렇습니다. Et moi, j'ai reçu cet éclair et c'est bien. 어렵습니다. Il est content. 그렇습니다. C'est difficile pour un pasteur de comprendre l'Évangile. 그 목사님들이 복음 진짜 깨달아 그거를 건축에 바닥났다. 저 교인들 이용하거나 문제 삼거나 뭐 그래 안 해요. 그렇죠. 할 수가 없는 거지. Alors si le pasteur est fondé sur la pierre principale correctement, les membres de l'église ne peuvent pas le critiquer, ne peuvent se plaindre de lui. C'est pas possible. 어떻게 교회를 이용하고 교인들 이용하겠습니까? Comment est-ce que 절대 불가능한 일이에요. On peut vraiment 그렇죠? se profiter, on peut en profiter de quelque chose ou des membres de l'église, c'est pas possible. Si il a vraiment une bonne fondation, 기초를 닦았기 때문에 건물이 아무리 올라가도 흔들리지. Si vous avez la fondation qui est le Christ, même si le bâtiment monte et monte encore, il va jamais tomber. David a vu ça. C'est déjà. C'est incroyable, n'est-ce pas? Il était extraordinaire. Alors, je vais lire Psaume 118. Comment il a écrit? Il a décrit ça. Qu'est-ce que David a dit? Je rends grâce à Dieu, à l'Éternel. Alors, il est bon et sa miséricorde. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. C'est la louange de David. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. C'est ce que David a dit. C'est le psaume de David. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes. L'Éternel
L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. David ne s'est jamais vengé. Il a évité la vengeance, mais il a fini par arriver au sommet. Il connaissait le vrai Dieu dans la région. Comme notre directeur, comme notre mère, il connaît le vrai Dieu. Dans n'importe quelle crise et circonstance, Dieu le sauvera. C'était la confession de David. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient et au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éloignent comme un feu d'épines, elles s'éteignent comme un feu d'épines au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle contre les justes. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 22. Alors, 21, je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus a repris. Pendant toute la semaine, réfléchissez un peu. Même parmi les chrétiens, un grand nombre de chrétiens, alors qu'il faut construire un grand bâtiment et la fondation est complètement troublée. Alors si on ne comprend pas ça et on parle des autres, c'est à cause des autres toujours. Alors si vous avez compris, c'est fini. David est le témoin. Jésus l'a dit lui-même dans la parabole aujourd'hui. Alors le maître a confier en fait la vigne et puis les vignerons ont tué les serviteurs. À la fin, il a même envoyé son fils en pensant qu'il n'allait pas le tuer, mais ils ont même tué le fils. C'était la parabole que Jésus a donnée. Alors c'est le roi qui va aller là-bas pour les détruire. Qu'est-ce que Jésus a dit encore ici? Qu'est-ce que c'est cette parabole? Oh, on voit les prophètes, on les tue. Dès qu'il y a quelqu'un qui prêche la parole du salut, on tue cette personne. C'est bizarre. Dès qu'il y a des évangélistes qui évangélisent, on les accuse comme hérétiques. C'est vraiment mystérieux. Ça a toujours été comme ça.
Il y a des organisations qui se lèvent pour faire le mouvement évangélique, on les accuse comme hérétiques. Ils ont même été contre Jésus. Mais c'est pour ça que Jésus a dit la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale de l'angle. Il faut vous rappeler de ça. Pierre a saisi cette alliance, n'est-ce pas? Après, quand Pierre a confessé que tu étais le Christ, le Fils de Dieu vivant, c'est ce que Jésus a dit à ce moment-là. Tu es Pierre. Je vais bâtir mon église sur cette pierre. Je vais bâtir mon église sur la pierre principale qui peut même contenir l'univers en entier. Alors après, Pierre a fait lever l'homme boiteux, il était à la cour. N'est-ce pas? Alors Pierre, il était questionné et puis il a répondu. Alors, est-ce que c'est plus facile de faire lever le malade au nom de Jésus-Christ de Nazareth ou faire lever le malade physiquement? Les deux sont différents. Mais le nom boiteux était témoin déjà, il était devenu témoin déjà. C'est à ce moment-là que Pierre a dit. Est-ce que tu ne savais pas que les pierres que vous avez rejetées sont devenues les pierres principales? Par la suite, il a dit il n'y a aucun nom par lequel l'homme devait être sauvé. Dieu a confié l'alliance, l'œuvre de l'évangélisme mondial à ce Pierre. Vous devez saisir l'alliance aujourd'hui. Correctement. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter que ce soit, même s'il y a des problèmes qui arrivent. C'est ce que j'ai compris au bout de 40 ans de mouvement évangélique. Même s'il y a des problèmes qui arrivent, ce n'est pas des problèmes. Au contraire, ce sont des bénédictions. Je ne pense pas que la Corée ait beaucoup de problèmes. C'est le pays qui va prêcher l'évangile dans le monde entier, n'est-ce pas? Alors, les Coréens ont le caractère pour prêcher l'évangile dans le monde entier de façon efficace. Alors, même pendant la pandémie, et les chrétiens viennent tout le temps à l'église, c'était seulement les Coréens qui étaient comme ça. C'était là, seulement en Corée, c'était comme ça. Alors, les membres de l'église ne sont pas contents parce qu'on ne construit pas l'église vite. Les Coréens sont comme ça. Ils n'ont pas d'autre choix que de prêcher l'évangile dans le monde. On ne peut pas vraiment échouer. Alors, Pierre, qu'est-ce qu'il a dit encore? Pierre de 7, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, savez-vous pas que en fait, la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale? Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Vous êtes le sacerdoce royal, vraiment un peuple élu, et puis. Vous êtes pour déclarer cette amiral de lumière dans le monde. Pierre qui était plutôt faible, mais Dieu lui a confié l'alliance de l'évangélisation mondiale. Il devait saisir cette alliance absolument. Il faut sortir de la vie de religiosité. Dans la religion, il y a plusieurs éléments qui font croire les gens en Dieu, mais ce n'est pas vrai. Si on ne comprend pas le christianisme correctement, ça va devenir une religion. Le christianisme, ce n'est pas du tout la religion, c'est l'évangile. Il faut sortir de la religion. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Je suis devenu pasteur principal de cette église pour la première fois. Avant, j'étais pasteur associé pendant longtemps. J'ai servi 5 églises en tant que pasteur associé.
Alors, c'est la première église, c'était mon église mère. Alors donc, après, bon, je suis venu comme pasteur principal de cette église pour la première fois après six églises. Et j'ai servi dans sept églises. N'est-ce pas? Alors, mon église mère, en fait, ils n'avaient pas grand-chose. Les gens n'avaient pas grand-chose, mais c'était leur fondation. Je voulais sortir de là. Personne ne se bat avec moi parce que je n'ai pas besoin de me battre avec qui que ce soit. Dans une autre église, c'était vraiment basé sur le fondée par sur l'humanisme. Une autre église. C'était l'égocentrisme qui était la fondation de l'église. Avant de venir ici, alors c'était une église où les gens se battaient tellement que même les policiers étaient mobilisés. C'était les disputes qui étaient la fondation de l'église, n'est-ce pas? Après, je suis venu ici. Mais des personnes qui étaient préparées pour prêcher l'évangile ensemble ici dans cette église. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et les gens qui prêchent l'évangile leur rejoignent cette église. C'est ça notre fondation. C'est vraiment immense. Vous allez voir. Aujourd'hui, dans la semaine, il faut réfléchir à ça pendant une semaine, au moins. Et encore une autre semaine qui reste. Mais en fait, il faut penser à ça au moins pendant une semaine. Vous allez être à la place de recevoir, pour recevoir une grande réponse. Que la bénédiction abondante soit sur Yangdo et sur dans le monde entier. Prions. Dieu merci. Permets-nous de vraiment recevoir la réponse de la pierre principale et que nous puissions mettre des fondations sur la pierre principale solidement. Nous puissions renouveler notre vie, que nous puissions prendre le nouveau départ. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.